Tu veux streamer sur Kick, mais tu ne sais pas par où commencer ni comment configurer OBS? Eh bien, je t'explique tout ça dans cette vidéo et ça se passe juste après l'intro. C'est parti! La première chose à faire est de vous rendre sur le site de kick.com. Je vous mets l'adresse ici en dessous dans la description afin de vous créer un compte. Pour ça, une fois sur l'interface, rendez-vous tout au-dessus à droite et cliquez sur le menu s'inscrire. À cette étape, complétez toutes les informations nécessaires, je vous laisse le faire, et une fois que vous êtes inscrit, eh bien vous cliquez sur le bouton « Se connecter ». Une fois que vous êtes connecté, rendez-vous tout au-dessus à droite, faites un clic gauche et cliquez sur le menu « Paramètres ». Ensuite, rendez-vous dans le menu de gauche intitulé « Clé du stream » et au niveau de l'URL du stream, vous copiez toute la ligne en cliquant sur ce bouton. Ensuite, on se retrouve sous OBS, cliquez sur le menu Fichier, ensuite Paramètres. Au niveau du cadre apparent, cliquez sur le menu Stream. Et au niveau du service, si vous affichez tout, vous verrez que la plateforme de Kick n'y est pas encore renseignée. Du coup, on va cliquer sur Personnaliser. Au niveau du menu Serveur, vous collez CTRL-V ou bouton droit Paste l'information que nous venons de copier à l'étape précédente. On retourne à présent sur le site de Kick pour copier la clé du stream via le petit bouton situé ici et on retourne sur OBS. Sous OBS, on se rend au niveau de la clé du stream, on fait CTRL-V, bouton droit, paste et ensuite on fait appliquer, OK. Ce n'est pas fini. Si vous venez de Twitch, vous ne serez pas très perturbé parce que l'interface de Kick est relativement identique et peut-être que votre OBS est déjà paramétré. Si vous êtes nouveau et que vous devez paramétrer des informations pour streamer sur la plateforme de Kick, eh bien, vous allez devoir, au niveau du menu paramètres, renseigner tout un ensemble d'informations par rapport au streaming. À cette fin, je vous renvoie à ma vidéo qui va apparaître ici au-dessus à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Elle regorge d'un ensemble d'informations qui vous seront nécessaires afin de paramétrer correctement les valeurs pour votre stream. N'oubliez pas également de cliquer au niveau du menu audio afin d'y affecter l'audio du bureau pour que les gens puissent entendre le son du jeu et également le son au niveau de l'audio du micro pour que les gens puissent vous entendre. Une fois que vous aurez paramétré toutes ces informations, le serveur de stream, la clé de stream, tout ce qui est bitrate, résolution, framerate, vous serez presque paré, il vous restera une dernière petite chose à faire. Retournez au niveau du site de Kick, cliquez sur le menu Stream. Et si vous avez un second écran, je vous invite à garder cette fenêtre sur le second écran pour pouvoir suivre toutes les informations qui sont liées à votre stream, comme le fil d'activité, le chat, le nombre de spectateurs, vos followers, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, avant de partir en live, d'indiquer les informations par rapport au live que vous allez effectuer. Pour ça, rendez-vous au niveau de ce petit menu intitulé « Modifier les informations du stream ». Vous faites un clic gauche, vous indiquez un titre, vous indiquez la catégorie, c'est-à-dire le jeu auquel vous allez jouer ou la rubrique que vous allez utiliser. Vous spécifiez la langue, vous activez ou non si le public cible doit être majeur ou non et vous faites enregistrer. Ensuite, retournez sur OBS, ajoutez une source de type capture de jeu. Vous laissez capture de jeu en tant que titre. Vous pouvez laisser capturer les applications en plein écran. Vous faites OK, vous lancez le jeu et normalement, vous verrez apparaître ici au niveau du cadre noir le jeu que vous avez lancé. Si vous ne le voyez pas, je vous invite à faire un clic gauche au niveau du menu ici, au niveau des sources capture de jeu, suivi d'un clic droit et propriétés, et au niveau du mode, sélectionnez alors une capture spécifique, et au niveau du sous-menu fenêtre, allez chercher la fenêtre de votre jeu, par exemple Call of Duty, Apex Legends, vous la sélectionnez, vous faites OK, et si tout fonctionne correctement, l'image de votre jeu sera à ce moment-là affichée sous OBS et il vous restera à cliquer sur Commencer le streaming et vous verrez directement sur Kick votre vidéo qui apparaîtra ici. N'oubliez pas de couper le son afin qu'il n'y ait pas un écho au niveau des gens qui vous regardent. Vous pourrez suivre toutes les informations, comme je l'ai dit, de votre stream sur cette interface-ci. Pour cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme par exemple l'affichage de votre webcam pendant le live, ou encore l'affichage des followers ou des donateurs via la plateforme de Kick. Mais sachez que tout ça va arriver bientôt en vidéo tuto sur la chaîne.
Et pour continuer dans le thème de cette vidéo, sache que tu peux dès à présent également me retrouver sur la plateforme de Kick à l'adresse kick.com/imadeus. I-M-A-D-E-U-S, tu retrouveras le lien direct ici en dessous dans la description. J'ai besoin de monde, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien et à taper un petit follow, ça me fera super plaisir. Et si tu te poses la question de savoir s'il est possible d'incorporer le chat de Kick directement sous OBS, eh bien oui, c'est possible et la vidéo apparaîtra ici au-dessus à droite de l'écran lorsqu'elle sera disponible. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche, mais aussi à lâcher un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à lâcher un petit commentaire en dessous de la description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et ciao ciao !